Eh bien bonjour, alors voilà, il fait beau ce matin, comptablement tout va très bien. Et oui, nos joueurs sont parvenus à ne pas rentrer bredouille du stade des Costières, et pour être tout à fait honnête, c'était plutôt mal engagé. Parce que pour ce qui est de l'engagement dans ce match, forcé de constater quand même que les Nîmois avaient mis le pied, et souvent le pied, durant au moins la première mi-temps. Alors ce match a mal débuté, vous le savez, mais il s'est bien fini. Preuve que nous avons du caractère, et dans le contexte comme celui des Costières hier, croyez-moi, il fallait en avoir. Donc, tout le mérite en revient à notre équipe, bien entendu, qui n'a pas perdu le match aller, qui n'a pas perdu le match retour. 4 points sur 6 lors des deux derbies, ma foi. Ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Et pour en parler, bien entendu, ce matin, tous nos confrères de la presse écrite s'en donnent à cœur joie. Alors pour commencer, on va peut-être se pencher sur l'excellent titre, ma foi, de Hugo Guillemet pour l'équipe, échec à l'arène. Alors c'est vrai qu'il revient sur une entame de match plutôt nîmoise, sur une première mi-temps douloureuse des nôtres, mais quand même sur une saine, bonne et efficace réaction des joueurs de Michel Derzakarian en deuxième mi-temps. Alors, ce qui laisse un peu les acteurs de ce match sur leur faim, parce que c'est vrai, dans le cadre d'un derby, un match nul n'est jamais au fond un bon résultat, ni pour les uns, ni pour les autres. Toutefois, il y a quelques performances individuelles qui ont largement mérité qu'on les souligne d'un trait indélébile. Alors, avant de parler, bien entendu, de la très hautement symbolique égalisation de Andy Delors à la 74e minute, on va quand même saluer la prestation qui est d'ailleurs soulignée et brillamment de Vitorino Hilton, qui est devenu hier le joueur le plus âgé en activité de toute l'histoire de la première division et de la Ligue 1, 41 ans, 4 mois, et qui a été le mieux noté dans l'équipe, 7 pour sa prestation individuelle lors de ce derby. Alors rassuré dans les comportements, oui, encore est-il fallu égaliser. Et nous y sommes parvenus, enfin quand je dis nous, Andy Delors y est parvenu, et Dieu sait que nous avons partagé, mais vraiment très nombreux, la joie d'Andy, lui qui n'avait plus marqué depuis la fin du mois de novembre. Ce 8e but personnel a été vécu intérieurement chez lui comme vraiment un très grand soulagement, une très grande joie aussi. Pourquoi? Parce que évidemment tout le monde le souligne ce matin, symboliquement, ce but, il le marque à la 74e minute, minute bénie s'il en est, symbolique assurément, en souvenir du président Louis Nicolin qui, à n'en pas douter, a dû tendre la main pour aider Andy lors de ce derby hier, au bon moment, au bon endroit. Un but partout, donc c'est très bien. Voilà ce qu'en dit dans les grandes lignes nos confrères de l'équipe. Ils soulignent le bel article sur Andy Delors. Alors, on va passer sur la polémique de la bâche, etc., qui rajoute un peu de piment, un peu de sel à ce beau but de l'égalisation montpelliéraine. Alors, nous allons passer maintenant au quotidien régional, le Midi Libre, donc à la hauteur. Là aussi, il y a beaucoup de points de vue que l'on va détailler. Alors, Nîmes y a cru, je viens de vous le dire, effectivement, Nîmes y a cru sur le contenu de sa première mi-temps. Montpellier est revenu sur le contenu de la seconde, avec des notes, ma foi, qui ne sont pas tout à fait celles du quotidien national de l'équipe, mais quand même, on revient sur la bonne entrée, la bonne influence qu'a eu Petar Skouletić sur cette partie. C'est la première fois qu'il rentrait en jeu si tôt, à la 54e minute, et dans ce match où il fallait jouer des coudes, évidemment, le physique de Petar a été un atout très appréciable et pour le restant de la partie de ses camarades. Du combat, mais pas de folie. Alors là, par contre, c'est un peu plus discutable. David Gounel dit que ce derby n'a pas atteint des sommets de folie, mais il y a quand même eu beaucoup d'engagement, moi. Et j'ai vu quand même une première mi-temps très limite, hein, physiquement, qui aurait dû amener l'arbitre Anthony Gauthier à sortir plus de cartons jaunes qu'il ne l'aura fait, 3 au total. Ma foi, l'arbitre a eu du sang-froid, comme certains joueurs n'en ont pas eu. En première mi-temps, la pelouse, ça on est bien d'accord, je pense que la qualité de ce derby n'a pas atteint des sommets, en grande partie due quand même à l'état de la pelouse du stade des Costières. L'arbitrage à la hauteur, ça oui, moi je le pense. L'atmosphère sur le terrain, ma foi, ça a été très tendu. Il fallait des joueurs de caractère, il fallait des joueurs qui ne s'échappent pas. Là-dessus, permettez-moi quand même personnellement de saluer, d'applaudir de demain la prestation, entre autres, de Pedro Mendes, de Vito Hilton et de Daniel Congré. Quelques mots bien sûr sur l'équipe de Nîmes avec le très influent TJ Savagnier qui a encore une fois dominé l'ensemble de la gestion du jeu de son équipe. Landre qui a marqué dès la deuxième minute. Bref, au bilan,
On retiendra bien sûr une première mi-temps pénible des joueurs de Michel Derzakarian, une seconde beaucoup plus à l'image des traits de caractère qui font que Montpellier aujourd'hui, eh bien ma foi, est cinquième avec 36 points, un de plus que Strasbourg qui n'a pas bougé, qui n'a pas joué hier. Mais, comme on dirait Michel Derzakarian, comme il ne sait plus à le redire dans le vestiaire d'ailleurs, tant qu'on prendra des points à l'extérieur et qu'on fera le plein à domicile, on sera toujours dans le bon wagon. On va se quitter, comme toujours, avec quelques réactions de nos amis internautes, bien entendu. Chapi Chapeau, qui a salué, bien sûr, la prestation et l'influence et l'instant déterminant du but d'Andy Delors. Il est généreux, il ne lâche jamais rien. Il marque des buts, ce joueur, et la définition même de la paillade. Loulou a toujours rêvé de t'avoir, il doit être heureux et fier de toi. Voilà le message d'El Chapi Chapeau concernant Andy Delors. Andy qui, bien sûr, à la symbolique 74e minute, a un petit peu rafraîchi l'atmosphère qu'on disait et qu'on a vécu par moments très bouillante aux Costières. Mais oui, Andy Delors aura donc rafraîchi l'atmosphère au stade des Costières. Un petit coup de climatiseur qui aura fait du bien au banc montpellierain, qu'il en aura bien profité. Voilà, on est content après tout. On l'aurait été plus encore si Montpellier s'était imposé aux Costières. L'équipe n'y a pas perdu, elle a toujours du caractère. Elle est promise à de beaux lendemains. Allez, bonne semaine à tous et maintenant, Monaco.